Bienvenue et merci à vous tous de nous rejoindre pour cet ultime rendez-vous de la saison. Alors bien sûr, certains disent que cette compétition n'est pas la plus prestigieuse, qu'il s'agit d'une petite Coupe d'Europe, mais ça reste une finale avec un trophée au bout. Et croyez-moi, les joueurs qui seront sacrés ce soir ne feront pas la fine bouche. Ce sera une magnifique ligne à leur palmarès et ça, ils en ont bien fort. Ici à Milan, le stade Giuseppe Meazza est un véritable monument avec ses quatre immenses tours d'angle en colimaçon. Et comme souvent, il sera plein d'envoi. Chelsea a les yeux rivés sur le trophée et pourra compter sur le soutien de milliers de supporters. Oui, la pression est montée toute la journée. On sentait que tout le monde s'est préparé pour cette rencontre dans une ambiance festive. Ce sera un coup franc, bien sûr. Voici Mohamed Salah. Ça ne passe pas. Gündoğan à droite pour trouver la faille dans la défense. Roberto Firmino. Oh, c'est un arrêt important, ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Vers l'avant. Il joue dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Oh, il faut frapper. Grosse occasion. Mais il n'arrive pas à frapper. Gündoğan. Liverpool. Utilise ses latéraux quasiment pour les ailiers. Et vous pensez que c'est pour reposer en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face de défendre? Sans doute entre les deux, non seulement il peut combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Ça revient là. Le frappe. Oh, quel bel arrêt! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Possession un peu stérile. Klein, Salah. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est à distance de tir. Roberto Firmino relance côté droit. Centre à terre. Il ne se pose pas de questions. Il résiste bien. Il continue son one-man show. C'est joué long. Attention. Ouf, un peu d'air. Le ballon a franchi la ligne. Soit le ballon. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il accélère côté droit. Willian qui a de la liberté. Moziz. C'est bien donné. Pour trouver la faille dans la défense. Quelle occasion, attention. Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. Et une nouvelle fois. Mais le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Chelsea, qui doit forcément être déçu. Quelle occasion manquée d'ouvrir le score sur cette ultime action.
On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale, alors premier bilan. J'ai trouvé les deux équipes très nerveuses et c'est normal vu l'enjeu, mais plus ça va durer, plus ils auront peur de commettre une erreur qui peut coûter cher. Il va falloir quand même qu'une des deux équipes prenne l'initiative. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Chelsea, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Le gros dégagement. Le bouse. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il casse le jeu. Le petit 1-2. Il tente de la jouer dans l'espace. Il relance côté droit. Il y a danger. Va-t-il en profondeur? Il y va. Ça joue long vers l'avant. Et le contre est parti. L'occasion peut-être d'aller chercher la gagne. Il y a peut-être un coup à jouer. L'accélération. Oh, la frappe! Il peut encore frapper jusqu'au bout. But! Et ce but pourrait tout changer. Ça pourrait être le tournant du match. Un but importantissime. Mohamed Salah qui a parfaitement surgi. Oh, l'opportunisme. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. 7 buts, oui, je vérifiais, il en est bien à 7 buts dans cette compétition. C'est fort. Elle fait du bien, cette ouverture du score. C'est toujours très important de marquer le premier but, bien sûr, mais surtout dans une finale. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Un long ballon vers l'avant. Oh, Willian, pour trouver la faille dans la défense. L'interception au bon moment. L'arbitre signale une faute. Il y a danger. C'est dégagé loin. Il décide d'allonger le jeu. Oh, Willian, c'est bien fait ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Chelsea manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. Mohamed Salah. Coup de bouse. Mané. Chelsea qui trébuche sur la dernière marche. C'est dur, mais quel beau parcours quand même. Ils vont être bien sûr très déçus de s'incliner comme ça en finale, mais il faut saluer leur superbe parcours dans cette coupe. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs seront à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. On a hâte que ça débute. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. On est parti pour 90 minutes.
côté droit. Voici Pedro. C'est joué long, attention. Le gros dégagement. Chelsea qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. L'occasion ! Aucun danger pour le gardien. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix ! Pour trouver la faille dans la défense. Il va provoquer. Centre. Danger repoussé pour le moment. Drinkwater qui écarte le jeu. Quelle inspiration. La tentative. Ouf, un peu d'air. Chelsea tient bien le ballon, mais on attend maintenant de vraies occasions. Cherche son coéquipier. Voilà une balle jusqu'au bout. C'est tout simplement incroyable. Magic. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Une longue frappe qui finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir. Dans le but. Et voilà qu'il se replace dans la course pour le titre de meilleur buteur. Chelsea qui a donc ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Zinchenko qui choisit le côté gauche. C'est bien défendu, il faut dire. Et sur la touche, il récupère le ballon. Ce ballon vers ses attaquants. C'est dégagé. Drinkwater qui cherche la faille. Il joue dans l'espace. La belle inspiration. Accélération. Attention, la frappe. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Le plus loin possible. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Ça revient dans l'axe. Le jeu repart vers la droite. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a tenté de tirer. Oh, Schmeichel, super barré. C'est dégagé loin. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. 1-0 au tableau d'affichage et encore 45 minutes à jouer. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Voici Nacho. Zinchenko qui choisit de jouer en retrait. Un ballon envoyé en hauteur. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Pour trouver la faille dans la défense. Moses. C'est joué long, attention. Il prend sa chance. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Fine save. Ah.
tir, ça méritait d'aller au feu. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Leicester qui essaye de construire avec Iheanacho. Il relance côté droit. Il cherche la profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. J'ai repoussé pour le moment. Il joue dans l'espace. La belle interception. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. Exact. La passe dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Linkwater qui a de la liberté. Pedro. Leicester qui ne manque pas de mots, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Il joue dans l'espace. Le centre est tendu. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. On jouera un petit peu d'écart à quelques minutes de la fin. Azpilicueta. Le ballon dans la profondeur. Ce ballon devant le but. Et c'est directement récupéré. Quelques instants à tenir. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Et cette saison se termine donc sur une victoire. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Écoutez, j'en pense surtout que cette saison est maintenant terminée. On a eu notre lot de joie et de surprises. Alors les équipes vont savourer ce court repos et se projeter rapidement vers la saison suivante. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant. On every side.